trop, patron! Essayez encore, plus tôt on trouvera du pétrole et plus tôt on pourra partir d'ici! Ça, alors, mais qu'est-ce que c'est? Oh! Ça nous encercle! Mayday! Mayday! Vous m'entendez? Répondez! Le slime est vivant. Tu permets que je passe devant toi? Non, justement, je te permets pas, j'ai que 20 minutes avant le cours de maths. Java, regarde ce que tu fais. Il ne peut pas regarder ce qu'il fait, il a craqué pour Polly Pott's Waggle. Vas-y, fonce, Java. Invite Polly à dîner. Oh, mais dis donc, j'ai l'impression que vous avez terminé le gratin de macaroni. Dîner? Oh, mais non, mon gros lapin, ça c'est le déjeuner. Je vais chercher un autre plat en cuisine. On veut pas. Bien essayé, mais pour le plan drague, écoute un peu les conseils d'un professionnel. Attention, Java, ne te laisse pas embobiner. Écoute, quand les filles te plaisent, Java, il faut leur montrer que tu es un mec séduisant et attentionné tout en gardant un côté cool et branché. Si elles captent ça, t'es sûr qu'elles vont toutes accourir et se jeter dans tes bras. Ou courir, se cacher plutôt. Non, il vaut mieux rester soi-même. Regarde, je vais te montrer. Hey, ça te dit qu'on se fasse une pizza après le match? Oh, pourquoi pas, une bonne idée, Ted. Salut, Diana. Quoi? Tout le monde peut se tromper. Personne, Martin. Le centre. Martin Mystère, identifié. Diana Lombard, identifié. Java des Cavernes, identifié. N'oublie pas, Java, règle numéro 1, tu la joues cool et branchée, quoi qu'il se passe. Hey, baby. Ouais, pas mal. Y a de l'idée, c'est ça, continue. Salut les potes, qu'est-ce que vous faites? Me le demande. Oh, salut Billy. J'apprends à Java comment séduire les filles. Il faut qu'il soit bien dans son corps et dans sa tête, alors il s'entraîne. Oh, je peux le faire avec vous. Vous n'avez rien compris. Les filles aiment la douceur, elles veulent des garçons romantiques, pas des ringards qui leur font des plans minables. Aussi minables que celui que t'as essayé avec Chet tout à l'heure à la cafétéria. C'est cool. À quoi ça sert? Ça permet de cartographier le système nerveux de cet échantillon, mais je crois que vous lui avez trouvé un autre usage moins scientifique. Nous avons reçu un SOS d'une plateforme pétrolière en haute mer près de cet archipel dans le Pacifique Sud. En haute mer? Je parie que c'est encore un de ces calamars géants qui a dû attaquer. Oh, pitié! Java, t'as oublié ce que je t'ai dit? Restez cool. Par ici, les potes. Oh, toute la plateforme est saccagée. C'est monstrueux, mais qu'est-ce qui s'est passé? Y a quelqu'un? Qu'est-ce qui a bien pu provoquer tout ça?
C'est clairement une sorte d'ectoplasme à sécrétion glaireuse. Ou alors c'est tout ce qui reste des hommes qui ont disparu, transformés en mucus par une espèce de destructeur polymoléculaire. Oh, très intéressant. Et maintenant, tu aurais une suggestion valable ? Venir voir ! Oui, j'en ai une. On va suivre Java. Je vais essayer de faire marcher cet engin. Il a peut-être enregistré les dernières émissions sortantes. Bonne idée, Diana. Moi, pendant ce temps, je demande une analyse de ce mucus. Chromoscan activé. Mode viscoanalyse. Peut-être que le scanner pourra nous dire d'où vient cette bave gluante. On est sur une plateforme. T'as jamais pensé que ça pouvait être du pétrole ? Non, mais ça c'est vraiment très étrange. Le scanner ne reconnaît même pas ce produit. Il n'est même pas répertorié. Qu'est-ce que je t'ai appris, Java ? On reste cool. Ça y est, je reçois. Ici Clark de la plateforme 59. Il y a quelque chose à bord. J'ai encore jamais vu un truc pareil. Je sais pas ce qu'il a fait à mes hommes. Je vais essayer de prendre le canon de sauvetage. Suivez-moi. On se fait une petite balade. Dépêche-toi, Java, c'est ça ou à la nage. Bon, voyons. Montée, descente, gauche, droite. Ça doit pas être bien difficile, non? Et maintenant, comment est-ce qu'on démarre? On va s'éclater, c'est parti. Martha, on roule. Alors, ma petite dame, où est-ce que je vous emmène ? Eh, regardez, il y a une carte. C'est une île. S'il y a eu des survivants sur la plateforme, c'est là qu'ils ont dû aller. Change de cap. No problemo. Allons-y, on va voir ce que cet oiseau a dans le ventre. Waouh, je suis trop fort! Voilà ce que j'appelle un atterrissage en catastrophe. Une catastrophe d'atterrissage, tu veux dire? On pourra jamais reprendre cet hélico pour repartir. Ni le canot de sauvetage. Les rames sont encore en place. Quelqu'un a dû pouvoir s'échapper de la plateforme. Et l'ectoplasme baveux l'a suivi jusqu'ici. Oh, pourquoi est-ce que ça commence toujours par une piste baveuse? Et puis aussi, ça aide d'avoir un ou deux compliments en réserve. Essaie, Java. Java dire beau poil. T'en fais pas, Java. Je vais la faire, moi, ton éducation. Je sais pas vous, mais moi, cet endroit me fait froid dans le dos. Vous avez remarqué ? Il n'y a pas un bruit. Silence total. Et regardez, toutes les plantes qui ont été touchées par le mucus sont mortes ratatines. Est-ce que tu renifles, Java ? Sentir chose venir. Hein ? Il va vraiment falloir que je passe ce truc au contrôle technique. Oh, salut les potes. Quoi de neuf? Rien de cassé au moins? Non, ça va. Je vous apporte les résultats d'analyse de l'échantillon de bave. C'est très troublant. Le résidu ne comporte aucune trace d'ADN, mais la signature énergétique est pratiquement humaine. La chose qui est à l'autre bout de ces traces va nous faire des ennuis. Vous m'excuserez si je ne m'attarde pas, que cet endroit est beaucoup trop sinistre à mon goût. Bonne chance. Je vois pas ce qu'il y a de sinistre ici. Moi, je trouve cette jungle plutôt exotique. Hé, hey, où tu vas? Regarde, un homme. Ça va? Vous m'entendez? Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? On dirait que sa force vitale a été comme aspirée. La chose venue de nulle part. J'ai rien pu faire contre elle. Oh! Il faut trouver de l'aide. Java fort, peu porté. On en a trouvé plusieurs dans le même état.
Ils venaient tous de la plateforme pétrolière. On a la preuve d'une intervention surnaturelle. Vous avez remarqué des phénomènes étranges dans le coin? Vous voulez dire la bave noire? Oui, ah. Oui, je l'ai vu moi aussi. De l'autre côté de l'île, là où les étrangers ont installé leur campement. L'homme là, qui est-ce? Ça alors, j'aurais juré que... Expliquez-nous, vous avez vu les traces de bave. Quel drôle d'endroit. Java pour aimer, pas bon. C'est le camp de base de la compagnie pétrolière. Ouh, y'a quelqu'un? Ça a l'air complètement désert. Vous avez entendu? Ouais, ça vient de par là. On dirait un passage souterrain. Mais regardez, il est couvert de bave. Il doit y avoir quelque chose d'important au bout pour justifier autant de précautions. Oh oui, très important. Et je crois que nous l'avons trouvé. C'est lui, le chaman que j'ai vu au village. Et dans la cage, c'est un des hommes de la plateforme. Je ne comprends pas, qu'est-ce qu'ils vont faire de lui? Aucune idée, ça ressemble à une cérémonie. Réveillez-le. Où est-ce que je suis? Mes hommes! Qu'avez-vous fait de mes hommes? Vos hommes ont eu le châtiment qu'ils méritaient! À votre tour! Chronoscan activé. Mord, Legendex. Tu as la traduction? Mot à mot. Il convoque une puissance qui s'appelle la Terreur Noire. Waouh ! Incroyable ! Ono Tiki Malo Shaka ! Vous avez souillé nos terres ! Vous avez ignoré nos humbles prières et refusé de nous laisser en paix ! Voilà votre châtiment ! Ono Tiki Malo Shaka ! Ono Tiki Malo Shaka. J'ai pas l'impression qu'il arrive à contrôler ce machin. Ono Tiki Malo Shaka. 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 Je parie que le vieux barbu tire son pouvoir de l'amulette qu'il a autour du cou. Si on pouvait la lui arracher, peut-être qu'il serait... Oh, non, trop tard. Se nourrit de la force vitale des humains. Il faut qu'on arrête ce maniaque avant qu'il le fasse revenir. Oh non, on ne s'en sortira jamais seul. Il vaut mieux appeler du renfort. Pourquoi faire quand on a 150 kilos de muscles préhistoriques sous la main? Qu'est-ce que tu en dis, Java? Tu leur fais le coup du chasseur de mammouth? Java pas aimé, méchant homme. Bravo, Martin, bien joué. Désolé, petite sœur, l'approche subtile, c'est pas mon style. Ça va, Java? Java voir deux Martins. Étranger, vous avez profané par votre présence cette cérémonie sacrée. Je vous condamne à subir le même châtiment que votre ami. Oh, et attendez, mon vieux, on le connaît pas, nous, on sait pas qui c'est. Oh,
Lâche-les, arrête! Il a perdu le contrôle sur le monstre. Java, c'est le moment ou jamais de faire travailler tes muscles. Terreur noire, obéis à ton maître. Attaque ces hommes, pas moi. Viens vite. Je crois qu'on l'a semé. Quel drôle d'endroit. Ne restons pas là, Martin, ça ne m'inspire pas. Ça ressemble à l'amulette que le chaman portait autour du cou. Regardez, aucune trace de bave. Le monstre n'est pas passé par là. Ces pierres doivent avoir le pouvoir de le repousser. Vous avez vu ça? C'était du pétrole. Au contact de la pierre, le pétrole donne naissance à la terreur noire. Je suis sûr que... Écoutez, il y a quelque chose derrière nous. Les hommes de la plateforme? Mais qu'est-ce qu'ils font dans cette grotte? Je n'avais pas le choix, il fallait que je les cache. Les habitants de cette île sont doux et confiants. Ils n'auraient jamais accepté que je convoque la terreur noire. Et ils ont bien raison. Vous n'arrivez même pas à contrôler ce monstre. Mais je dois protéger mon peuple. Ono Tiki Malo Shaka. Ono Tiki Malo Shaka. Il ne comprend rien, celui-là. Nous, on est les gentils. Martin, fais quelque chose. Pauvre fou. Plus rien ne peut nous protéger, nous sommes tous condamnés! J'aime pas trop ça, on ferait mieux de partir! Ça se répand de tous les côtés! Ne vous éloignez pas, on reste groupés! Je vais le distraire. Dès qu'il aura dégagé le passage, foncez vers la sortie. Mais t'es complètement malade. Hey, grosse plaque, par ici. Non mais qu'est-ce que tu crois, toi?
Martin Mystère a encore gagné! Ces hommes n'étaient pas désirés, mais nous sommes heureux de les avoir en vie. Grâce à mon œil de lynx et à mon incroyable force légendaire. Calme un peu ton ego, il va imploser. Merci, jeunes gens. Grâce à votre aide, nous sommes tous sains et saufs. Nos actionnaires seront heureux d'apprendre que les opérations ne souffriront d'aucun retard et que... Rien n'est moins sûr. Vos opérations, comme vous dites, violent tous les traités internationaux. Mes hommes veilleront à ce que vous rentriez chez vous. Oh. Pour y rester. Tu es un brave jeune homme et tu as droit à la gratitude de tout le village, ainsi qu'à celle d'un vieux chaman égaré par la colère. Ça va, pas de problème, mon vieux. Tu vois, ça marche à tous les coups. Pitié.